What do you think about my whiskey? About my whiskey? About my whiskey? Avec moi. Il est trop beau. Tu penses qu'on va le voir du parking du ciné? Ah oui, on va le voir. Tu es sérieux? Je veux voir le... Oui. Comme ça, les gens voient tout ton chichi pour voir le soleil. Je veux voir le soleil. Tu m'embêtes. Non, mais on est en train de... Les gens, ils vont comprendre quand ils verront. Oui, il est beau, mais il défonce la gueule. Je t'ai pas demandé de le regarder. Stop. Regardez comme il est beau. Il est très beau. Il y a quelqu'un derrière. Oui, bah je m'en fous, il a qu'à regarder le soleil. Il est beau, j'adore. C'est bon? Attends. C'est bon. Là, on est en train d'envoyer le vlog internet ici en 5G. Voilà. L'ordi qui est en train d'envoyer le vlog. Et là, on va au ciné. Donc, ça va faire sa petite vie pendant qu'on est au cinéma. L'écran est immonde. Et on va voir Trap. Oui, on va voir Trap. Ou alors, tu tournes à droite. Comme tu veux. Attends. Je zoome. Mais t'es une blague. Elle est belle. Il y a une voiture qui arrive. C'est bon. J'ai enfin fini le melodine de toutes les pistes qu'on a faites pour Your Twilight pour le moment, parce qu'on a enregistré à peu près, je pense, 2/3 des pistes. Donc là, je vais chercher des adlibs et je pense à peu près tout, hein. C'est déjà pas mal. J'ai mis la caméra pour oublier l'harmon que je venais de trouver. J'aime bien, il y a un côté Peter Gabriel. Bathing in your twilight. Nul, c'était nul. Mais d'un nul. Here to be a lifeline, never on the sidelines. I've always bathing in your twilight. Ok. Il y avait un truc qu'on avait fait quand on avait rec le morceau que j'avais vachement aimé. Mais c'est super aigu, c'est en voix de tête, mais c'est. Je me souviens que j'avais méga galéré à les avoir et là je viens de me lever donc. Leave it right. Très bien. Mais écoutez. Leave it right. J'arrive pas à les avoir, normalement je les ai. Right. Oh, ça paraît que. J'attends. Et j'attends, je t'attends. Ce qui changera mon présent. Mais je vais arriver, hein. Ah ouais. Faut se calmer, hein. Mais je chante des sérénades. Voilà. T'as mis des armes en plus? J'ai mis des adlibs pour le deuxième. C'est des armes ou des adlibs? Bah, un peu des deux. Ah oui, vas-y, il y avait des trucs bien. On va écouter. C'est bien, mais peut-être qu'il y a rien déjà dans le premier. Peut-être, mais le premier, il marchait bien, comme ça. Ah oui, parce que c'est plus calme. Oui. Oui. Le deuxième, il part plus en teuf, tu vois. Avec le kick sur tous les temps, ça marche bien. Là, c'était moins bien. Mais toi, il faut que tu fasses en grave. Juste question entre deux armos que je t'ai faites. Soit celui-là, soit lui. Je sais pas. Ah non, c'est là que t'es censé m'aider. Tu me montres pas dans la globalité, je peux pas savoir. Le deuxième, c'est... Ah, celui-là, ok. Oui, enfin, le premier, pardon. Oui. Ok, j'ai fait plusieurs trucs, mais parce que j'avais la flemme de refaire après, donc je fais plusieurs trucs, après on peut ne garder que celui-là, ou d'autres, on verra. Oui. Oui. On dirait ton frère. Oui. Je chante du grave. Du grave. Bathing in your twilight. Jusqu'à où on peut aller avec ce... Loin. Pourquoi tu fais un test? Non mais arrête. Là, ma carte son, elle part. Ah oui. Reviens. Putain, on peut aller quand même très loin. Oui, c'est génial. Attends, c'est peut-être fort, parce que c'était moi. Yeah. Check it out. C'est bien. Oh, we could spend a lifetime dancing on the skyline, basing in your twilight. Faut que je refasse le basing in your twilight. Bathing in your twilight.
C'était aussi grave que ça? Quoi? Parce que là, t'es deux octaves en dessous de moi, quand même. Bathing in your twilight, bathing in your twilight. Ouais. Bah, je sais pas, je crois que c'était ça, écoute. Tout doute, ça. Je peux faire les deux. Bathing in your twilight. C'est bien, non? Oui. Nickel. Et du coup, tu le fais en... Bah, je peux essayer. I'll be your faith. Here to be your lifeline, never on the sidelines, I'm always. Tu me refais un comme ça et oui. J'ai envie d'entendre le sidelines. Ok. Bathing in your twilight. Perfecto. Merci. C'est parti. Et voilà, après. Combien de temps t'as passé dessus? Là, des dites. On est rentré à quelle heure? Je pense qu'on a commencé à 20h, toi. 3h alors. Plus une heure et demie de mix. Et puis j'ai pas fini le mix. Je peux plus du tout là. Mais on a un résultat qui commence à être trop bien, trop beau, trop cool. Hein. Donc c'est bien. Et là il manque gérer les sidechains, faire le drop, les voix de drop. Mais toutes les voix lead et armo et back et tout ça c'est fait. Mais là j'ai faim hein, et puis t'as vu l'heure qu'il est. Oui c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va regarder? Je sais pas. On regarde un film. Si tu veux. Avec un... Moi j'ai envie des pâtes. Hein. On va faire des pâtes, t'as envie. Je vais faire des pâtes. Sinon on regarde notre série American Horror Story. Ouais. Et Barba, on se le garde pour un soir plutôt. Ouais. Que là, ça va terminer. Oui. Oh, je suis claqué. Ah. Je suis claqué. Tintin, à mettre devant la maison. Oui. Voilà, c'est tout. C'est bien. Je vais les montrer. Antoine de Hera Music a rendez-vous dans Maintenant avec Warner US et du coup on est en train de travailler sur Your Twilight pour avoir un truc à lui faire écouter. Du coup je dois travailler dessus pas mal aujourd'hui quand même, donc on va écouter. Ça me perd quoi. Ouais. Still moving on from the night, everlasting, shadows casting, you're my escape, oh it's been a lifetime. C'est bien. Est-ce que juste... Là, on entend bien l'attaque. Peut-être enlever le sidechain sur le high, non? Bien vu, je comprenais pas pourquoi on l'entendait pas. Ah, mais attends. Bah, ok, merci. Normalement, il est à 40. Tu vois, c'est bien d'avoir des oreilles fraîches. Des fois, tu fais des trucs, tu sais pas pourquoi ça sonne pas bien. Mais je me demandais pourquoi ma voix était moins forte. Ah oui, ça change tout. Et du coup, il revient là. Ouais, c'est bien. Faut lui envoyer. Je te laisse faire. Je vais mettre sur SoundCloud et le renvoyer. Quoi? Ça va faire rire le truc qu'il a mis, Antoine. Il a dit dans 5 minutes. J'ai mes cordes de jazz. Et ma song de guitare. Tintin. Il y a quelques semaines, j'avais écrit une top line pour D'Amico et Valax. Kiran m'avait envoyé les paroles il y a 3 semaines, je crois, à peu près. Mais entre les virus, les concerts, le Pitnitona a terminé, c'était impossible d'enregistrer. Là, du coup, on est un peu plus cool, donc je vais pouvoir enregistrer ça. C'est pour ça qu'il est vraiment à côté IA 404, pour ceux qui connaissent notre troisième groupe qu'on a gardé secret pendant longtemps. Dans les sonorités, on est sur un truc vachement plus spé quand même, et finalement, ils ont vachement aimé, donc c'est trop bien. Ça fait du bien de faire des trucs un peu chelous, un peu Halloween en plein mois d'août. En même temps, ce mois ressemble plus à un mois d'octobre qu'un mois d'août. Donc on reste dans le thème. On est parti. I'm in paradise, but I'm in chains. Trying to live in vain, trying to live in vain. Je vais faire les packs graves avant de faire la lead. Ne serait-ce que pour réveiller ma voix tranquillement. Et puis aussi parce que j'ai peur de pas les avoir bien après. Planning. Planning. I don't wanna stay and you're kind of in the way. Planning every day how I'm gonna get away. I don't wanna play, so put your hands on my hips. On est parti du coup pour le mid. I ain't gonna say it's such a sweet on my lips. I don't wanna play, so put your hands on my hips. Le high, je le ferai pour terminer, là je vais faire la lead. All your little lies are on display. Ooh, dance
sin and the pain. Ok, je pense pas mal. Let's go pour le refrain. I don't wanna stay and you're kind of in the way. Planning every day how I'm gonna get away. I don't wanna stay and you're kind of in the way. Planning every day how I'm gonna get away. Et on attaque la partie aiguë pour terminer. Ooh, dancing, dancing. All your little lights are on display. I can only blame you, I can only blame. Suroxygénation, oh, ça va être pas mal. Nous sommes en route pour Patrick Sébastien. J'étais en train de travailler. Et j'essaye de surprendre Lorraine. Ah bah oui. Il faut que j'arrive. À bout de 14 ans ensemble, il faut que j'arrive à la surprendre. Là, on est surpris. Hein. Et ben, on est parti pour voir Patrick Sébastien du coup. Il faut que tu enrichisses ta culture. Oui, je connais pas cette facette de la musique. Ouais. Moi non plus d'ailleurs. Non. Mais du coup, voilà, on va voir par curiosité. Voilà. Tu te moques de moi? Mais ma frange, elle est dans le bon sens. Avec le vent, moi, c'est dans le mauvais sens. Des fois, on dirait que tu m'écoutes pas et en fait, tu m'écoutes. Je t'écoute tout le temps. Je suis votre mimi. Nous sommes en route pour... Non, mais la ville. Saint-Natif-les-Bains. Non, arrête. Là, attends, tu te moques de moi. Y a un truc non, la ville. Ah, Pont-Scorff. Voilà. Ah non, le moulin de... Chantilly. Non. J'allais le dire. Donc nous sommes en route pour Pont-Scorff pour le dernier mariage de l'été, parce qu'après l'autre il est fin septembre. Je crois qu'il est juste à la fin de l'été, non? C'est pas le 21 ouais. septembre. Le mariage est le 21. Oui, donc c'est pile le jour de la fin de l'été. Donc c'est pile le jour de l'automne. Ça dépend comment on voit les choses. On a nos petits sandwichs, on a nos petites crêpes paysans bretons, nos petites poissons. On arrive à 14h13 et il faut qu'on soit terminé de tout à 16h, je crois, c'est ça. Terminé de tout? Oui. Faut qu'on soit terminé de tout. À 16h. Et il faut qu'on fasse pendant la balance off. Parce que les mariés ont demandé si on pouvait jouer off. Et même si on l'a joué à Pornic, d'ailleurs ça tombe bien parce que du coup on l'a rejoué il y a pas longtemps, donc ça va, on l'a à peu près en tête. Oui. Mais c'est pas déconnant de la faire une fois en balance pour être sûr. À toutes. À toutes. C'est bon, nous sommes installés. C'est tout mignon. C'est tout choupi. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, nous on est là. Et là, il y a la cérémonie qui se passe là-bas. On a fait nos réglages avant la cérémonie, parce que si on les faisait pendant la cérémonie, ça aurait fait du bruit, alors qu'elle est juste à côté. Donc là, on attend que les mariés soient mariés, quoi. Et après, on joue. On a besoin de savoir si ça fait un beau refrain country. Attends. Dites-nous. Non, non. J'ai essayé de faire une compo de country en 30 secondes. Donc on complète ça, et après ça. Petite rythmique country. Après, il faut un refrain efficace avec des paroles dignes de cowboy. Qu'est-ce que vous pensez de ce refrain? What do you think about my whiskey? Yeah? What do you think about my whiskey? Yeah? What do you think about my whiskey? Yeah? About my whiskey? Yeah? About my whiskey? Avec moi. What do you think about my whiskey? Yeah? What do you think about my whiskey? Yeah? What do you think about my... Country. Départ du concert dans à peu près 10 minutes. Ouais. Regardez les cheveux de Lorraine, comment ça... Jusqu'ici, il faisait super beau, même très chaud. Et là, le concert va commencer et bam, il y a ça qui arrive. Magique. Et là, on a senti que ça allait se gâter, donc on a regardé Rain Today. Dans 5 minutes, ouais, mini averse et après... Oui, on va pas pouvoir y échapper. On est allé demander s'il n'y avait pas un petit parasol qui pourrait sauver notre matos. Et heureusement qu'on est allé voir, parce que sinon, on se serait pris ça et pour le matos, ça aurait été juste l'enfer. Comme quoi, il faut toujours vérifier quand même. En Bretagne, tu peux être confiant et 10 minutes après... Faut que je rapproche un peu de toi. Ah là 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 là. Petite interruption pendant le concert. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Ça y est, on est mieux. Ah ouais. On est beaucoup mieux. Si, je vous lis. En plus, on le voit à travers le pare-brise neuf. Par contre, tu sais ce qui est trop bien avec les grosses averses? Oui, c'est qu'on avait du caca de chien.
de... Le jour où t'as des caca de fer sur le pare-brise, c'est qu'il y a eu un petit souci. On avait du caca d'oiseau, l'eau, elle a tout nettoyé. Oui. C'était vachement bien, le lieu était bien. Canon. Il y a plein de gens qui ont dit que c'était bien. Ouais. Puis c'était bien. Super ambiance. Ouais. Là, les gens étaient trop sympas et tout, bonne ambiance. Recoucou, c'est nous. Recoucou, c'est moi. C'est nous. Jeff de chez Magic nous a demandé si on voulait qu'il fasse un modèle d'intelligence artificielle à partir de ma voix. C'est-à-dire qu'en gros, il prendrait tous mes acapellas, il fait un gloui-boulga avec tout ça, et il en fait une nouvelle voix avec laquelle il peut faire n'importe quelle chanson, qui seront eux-mêmes créés par des IA, produits par des IA. On est sur un niveau interstellaire d'IA. Là, il a envoyé la démo. Du coup, on va écouter ce que Loulou voulait pas attendre d'être à la maison. Ah non, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Ça m'intrigue trop. Si bien, c'est dégueu. Si bien, c'est bien. Bah, c'est pour ça que ça m'intrigue trop. Je mets... Elle chante mieux que moi, IA. Non, elle chante pas mieux que toi, mais par contre, ça te ressemble, mais c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Bah déjà, j'ai pas de vibrato constant comme ça. Il y a un petit vibrato en fin de fresque. Du coup, ça, c'est une IA qui a fait la compo et tout. Ouais, apparemment. Elle a fait les paroles, la compo, la prod, tout quoi. Je suis bientôt à la retraite. Mais sauf que ça fait une voix différente. Oui, c'est pas ma voix. Ça marche pas encore. Les IA, elles ont pas encore réussi à reproduire exactement une voix parce que on entend que c'est une voix artificielle. Moi, je trouve. Par contre, c'est de plus en plus proche, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Parce qu'à la base, quand il nous a dit ça, tous les deux, on s'est dit Mélenchon, la CGT, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un compte Spotify exclusivement, en fait, avec des chansons d'intelligence artificielle. Faut qu'on lui trouve un titre qui, justement, est un peu le nom de robot, quoi, pour que les gens comprennent bien qu'en fait, ce compte, c'est pas Lorraine, c'est une intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que les gens qui aillent écouter cette playlist, ils aillent écouter une IA. Dans ce concept-là, ça me dérange pas. Oui. Et puis, c'est écrit, en fait, les gens, ils savent que c'est ça, machin. C'est beau. Joli. Oh là 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 là. Ça vaut rien. Et du coup, fatalement, il faut qu'on trouve un nom pour cette IA qui n'existe pas, parce que le but c'est pas de piquer le profil de quelqu'un d'autre. Et il faut un truc qui soit assez international pour que ce soit prononçable dans toutes les langues. Je sais que quand on avait fait Nitoona, moi j'aimais bien Slowly, mais ça a été pris depuis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de pseudo d'IA. Nous on va chercher aussi. What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? What do you think about my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah? About my whiskey, yeah?